Père bien-aimé dans le Seigneur, je vous salue. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je suis votre sœur évangéliste Marie-Claude Boucaud pour vous servir. Nous allons passer un moment agréable dans la présence de Dieu. Ce soir, je me tiens dans sa présence afin d'être avec vous pour vous exhorter, afin d'être avec vous pour passer un moment glorieux, un moment dans l'adoration, dans la prière, dans la louange. Aujourd'hui, chers bien-aimés, je suis entré chez vous. Le Saint-Esprit est entré chez vous pour pouvoir passer un temps vraiment inoubliable avec vous dans la prière. Et avant toute chose, je vais prier, je vais demander pardon à Dieu, parce que nous allons demander pardon à Dieu. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de bonté, Dieu trois fois saint, oh, ce soir, je me présente devant toi. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui n'était pas à ta gloire. Mais je sais que tu es un Dieu de pardon, que tu m'as déjà pardonné. Je te rends grâce pour ton pardon. Je te rends grâce pour ton sang versé qui me lave. Je te rends grâce pour toutes tes bénédictions. Parce que tu m'as dit dans ta parole, tu dis à ton peuple que tu nous béniras de toutes les bénédictions. Je déclare que je suis béni de toutes les bénédictions. Je suis lavé, racheté par ton sang. Et vraiment, Seigneur mon Dieu, tu as mis l'amour, ton amour véritable dans mon cœur. C'est pour cette raison, ce soir, bien-aimé, ensemble, nous allons chanter ce chant qui dit « je me tiens dans la présence du Seigneur. » Alléluia. Alléluia. Je me tiens dans la présence du Seigneur. Le Saint des Saints est là. Et le Saint des Saints, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Alléluia. Jésus est ce qu'il est. Alléluia. Il parle dans le présent. Et aujourd'hui, il nous parle à travers les Écritures. Aujourd'hui, il veut toucher à quelqu'un. Ce soir, bien-aimé, je te dis, peut-être que tu passes par des moments difficiles. Qui ne passe pas? Qui ne traverse pas les moments difficiles? Qui ne traverse pas le désert? Mais Dieu est Dieu. Dieu est bon. Il est grand. Alléluia. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas abattre. Tiens bon. Dis-toi que Dieu est Dieu. Il fera. Même quand ça ne va pas, dis tout va bien au nom de Jésus. Alléluia. Arrêtons de nous lamenter. Arrêtons de nous mortifier. Parce que nous ne sommes pas pire qu'une autre. Peut-être que tu crois que ce que tu traverses est plus mauvais que celui que quelqu'un d'autre traverse. Non. Dis merci Seigneur. Dis gloire à Dieu, quelle que soit la situation. Ce soir,
Je vous dis, peut-être que vous êtes plusieurs à m'aider dans ce cas, parce que nous prions pour la nation. Je vous dis ce soir, en Jésus-Christ, soyez fortifiés, soyez restaurés, soyez sanctifiés, soyez purifiés, soyez bénis, soyez affranchis. Alléluia, parce que vous êtes une race d'élus. Vous êtes le peuple de Dieu. Alléluia. Vous êtes le peuple de Dieu. Je vous bénis dans le Seigneur, bien-aimé. Je suis votre sœur. Ce soir, Dieu m'a mandaté pour être devant vous, pour vous parler, pour aussi me parler aussi. Amen. C'est la raison pour laquelle vous devez m'accepter. M'accepter dans votre maison. Alléluia. Et quand vous m'acceptez dans votre maison, cela veut dire que vous acceptez aussi le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu dit, celui qui reçoit un des plus petits me reçoit. Alléluia. Je suis chez vous ce soir. Je bénis votre famille. Et je vous dis ce soir que là où vous êtes, si vous êtes couché, Jésus a dit, je suis celui qui est venu pour guérir. Jésus peut te guérir. Il peut te relever. Alléluia. Te sortir de ton état. Mais il faut que toi aussi, tu le veuilles. Alléluia. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Et vouloir aussi passer du temps dans la prière. La prière, c'est la clé de tout. La prière, sans la prière, nous ne pouvons rien. Alléluia. Comme dit la Bible, prier sans cesse. Mais il faut que nous soyons capables de prier. Et pour que nous soyons capables de prier, nous devons méditer la parole. Et à travers la parole, vraiment, nous sommes édifiés et nous trouvons les mots, les justes mots pour pouvoir prier. Et celui qui est capable de prier met le diable en fuite. Le diable prend la fuite devant toi. Le diable ne peut pas résister devant toi. Le mal ne peut pas résister en toi. Quand toi, tu prends possession de la prière. Alléluia. Priez sans cesse. Priez en tout temps. Mais priez aussi, ne pas prier en se lamentant, mais priez aussi dans la joie. Alléluia. Que nos pleurs deviennent joie quand nous sommes devant Dieu. Alléluia. Et à ce moment-là, il peut tout contrecarrer. Pourquoi? Parce que la prière en elle-même, c'est la respiration de l'âme. C'est vital. C'est vital. Nous sommes sous la grâce, nous devons obéir, bien-aimés. Obéir à la parole de Dieu. Le contraire vient de la rébellion. Hein? Le contraire, quand on n'a pas envie de prier, ça vient de la rébellion. Mais sans Dieu, que ferions-nous? Sans le Saint-Esprit, que ferions-nous? Puisque c'est le Consolateur qui nous a envoyés. Alléluia. Nous allons nous abandonner ce soir au Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Prends ma vie. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Prends ma vie et conduis-moi. Je ne peux vivre que par toi. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Prends ma vie et conduis-moi. Je ne veux vivre que par toi. Tendre Père, je m'abandonne à toi.
Alléluia. Eh bien, nous devons savoir ou nous poser la question, pourquoi Jésus, dans toute sa grâce, nous a tant aimés. Alléluia. Il nous aime. Alléluia. Alléluia. Je ne sais comment, alléluia, je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Amen, 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 bien-aimé. Bien-aimé, Dieu cherche un homme et une femme qui prie pour la nation. Alléluia. Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche, il cherche. Il a besoin de vaillants intercesseurs. Avant d'être un intercesseur, on doit savoir prier. Alléluia. Pour être un intercesseur, tu dois savoir t'oublier toi-même. Afin de pouvoir prier pour les autres. Il faut savoir comment prier. Ne pas demander du mal pour ton prochain. Mais prier avec des entrailles de miséricorde. Hein? Sentir la douleur de la femme qui est sous le point d'accoucher, les douleurs de l'enfantement. Alléluia.
savoir porter cette personne-là jusqu'à sa guérison. Alléluia. Porter cette personne-là dans la prière. Ne pas fermer la porte, mais laisser cette porte-là ouverte. Alléluia. Laissez le Saint-Esprit travailler. Ne pas dire comme moi j'ai fait. Non, c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Toi, tu ne fais rien. Nous ne faisons rien. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit en toutes choses. Dieu désire que le peuple prie. Dieu désire que nous prions. Dieu cherche un homme ou une femme pour sauver la nation. C'est notre devoir de prier pour la nation. Ne pas se laisser distraire, dire « Ah, non, ça se passe. » Non, nous prions. En ce moment, nous voyons que les choses ne vont pas vraiment comme il se doit. Comme il se doit, nous avons tout... nous voyons tout ce qui se passe autour de nous en Amérique, en France, vraiment les rassemblements par rapport au crime racial. Mais nous devons, bien aimés, prier pour cela, prier pour ceux qui militent, prier afin que Dieu fasse grâce, alléluia, afin que Dieu fasse grâce dans la nation. Au psaume 103, il est dit, ce récit nous fait comprendre que nous appartenons à notre Père, au psaume 103. Nous lui appartenons. Au psaume 100, David dit, excusez-moi, au psaume 100, David dit que nous devons servir l'Éternel avec joie. 1 Thessaloniciens 5, au verset 17, il est écrit que les anciens qui dirigent bien soient jugés et soient dignes. Alléluia. Les anciens qui dirigent bien soient jugés et soient dignes de double honneur, surtout ceux qui travaillent la prédication et l'enseignement. Ce qui veut dire que les gens, ceux qui sont à la brèche, qui prient, on ne doit pas les juger, on ne doit pas les mépriser. Au contraire, nous devons prier pour eux. C'est de même que nous avons un leader, nous avons un pasteur, le responsable de nos assemblées. Eh bien, nous devons aussi prier pour ces gens-là. Nous devons être derrière, en train de servir, de bouclier sur le rôle des intercesseurs. Nous devons prier parce que ne pas prier, c'est un péché de ne pas le faire. Parce que Dieu nous demande de prier. Alléluia. 1 Samuel 12 au verset 23. Il est écrit, « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, dit Samuel, de cesser de prier pour vous, je vous enseignerai le bon et le droit chemin. » C'est un péché, bien-aimé, de désobéir à un ordre divin, vivant. Amen. C'est un péché de désobéir à un ordre vivant. Car c'est le seul moyen que Dieu nous donne pour exécuter. Soyons l'exemple de Jésus. Jésus a donné un exemple de prière à ses disciples qui lui ont demandé comment devons-nous prier. Dans le livre de Matthieu 6. Alléluia. Dans le livre de Matthieu au chapitre 6. C'est le notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté se fasse. Alléluia. Quand nous prions, demandez à Dieu que sa volonté se fasse, la volonté parfaite se fasse, et non notre volonté. Quand nous nous mettons devant la face de Dieu, ce n'est pas nous. Nous devons nous effacer complètement. Alléluia. Et tout donner à gloire. Laissez le Saint-Esprit nous former à son image. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. Le livre de Luc 6 au verset 11, il est écrit, « Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir qu'est-ce qu'ils feraient à Jésus qui avait guéri la main sèche d'un homme. » Alléluia.
Jésus, quand il avait commencé à faire les guérisons, eh bien, on l'a même appelé Belzébuth. Alléluia. Jésus, quand il a commencé, ben, les gens ne comprenaient rien. C'est pareil pour toi. Les gens vont te détester par rapport au nom que tu portes. Les gens vont te détester. Amen. Mais tu dois savoir que dans chaque désert que tu rentres, il y a une porte de sortie. Dans chaque désert, il y a une porte de sortie. Alléluia. Une porte de sortie. Parce que la prière, c'est la clé. C'est la clé qui libère. Alléluia. C'est la clé qui libère. C'est la clé qui ouvre les cadenas. C'est la clé qui ouvre les portes que l'ennemi a fermées. Parce que Dieu, lui, quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer cette porte. Ce que je veux, c'est aimer. Tout ce que je veux, c'est adorer. Mon plus grand désir est de rester à tes pieds. Et je lève les mains vers le ciel. Que ton feu descende sur ma vie. Allume ton feu, moi Seigneur. Encore une fois, tout ce que je veux, c'est aimer. Tout ce que je veux, c'est adorer. Mon plus grand désir est rester à tes pieds. Et je lève les mains vers le ciel. Que ton feu descende sur mon cœur. Allume ton feu, moi Seigneur. Encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur qui nous a bénis de toutes les bénédictions. La prière, bien-aimée, c'est la force spirituelle qui nous pousse toujours dans la dimension et dans la hauteur de nos attentes. Alléluia. Par la foi que nous présentons devant notre Dieu, que nous lui offrons nos requêtes et que nous attendons, nous ayons de la patience, ne lui demandons pas toujours la même chose. C'est sûr. Il nous répondra. Aujourd'hui, bien-aimés, je voudrais vous édifier sur quelques petites choses. Alléluia. Sacrifice sur sacrifice. Alléluia. Alléluia. Les sacrifices que nous devons faire. Le plus souvent, nous faisons plein de sacrifices et les années passent, les mois passent. Et nous ne voyons rien. Amen. Il y a des hommes et des femmes au culte aussi qui font des sacrifices au profit de leur maître afin de satisfaire à leurs besoins. Amen. Mais nous, le sacrifice que nous devons faire à notre Dieu, alléluia, c'est lui donner notre cœur. Nous devons gagner, savoir gagner les bénéfices, alléluia. Gagner des bénéfices dans les années qui viennent. Depuis cette année, commence déjà à déposer ton CV. Dis Seigneur, peut-être que tu cherches du travail, tu ne trouves pas. Ou tu as un autre problème quelconque, tu es le seul à savoir. Mais tu dois savoir poser toutes ces requêtes devant Dieu et attendre que cela vienne. Alléluia. Et passer à autre chose. Ne reste pas toujours terre à terre sur la même chose. Voir plus loin. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu, bien-aimés. Nous devons augmenter notre dimension sur le plan spirituel dans notre vie de prière. Alléluia. Augmenter notre dimension. Dieu est celui qui entend et qui répond favorablement. Je peux vous faire un témoignage.
Voilà, cela fait depuis décembre, j'ai un problème de santé. J'ai eu un petit accident. Mais mon médecin m'avait déjà même dit qu'il fallait que je me fasse opérer de la colonne vertébrale. Mais j'ai dit au Seigneur, et papa, c'est toi qui m'as donné ma charpente. C'est toi qui connais qu'est-ce qui est défectueux, qu'est-ce qui s'est désemboîté, qu'est-ce qui mérite d'être réparé. C'est toi mon mécanicien. Mais je ne peux pas te servir dans une chaise roulante ni allongée dans un lit. Mais papa, cette opération, je le mets entre tes mains. Je sais que tu es le premier grand chirurgien, parce que c'est toi, papa, qui a opéré Adam pour lui enlever une côte, pour créer Ève. Mais c'est toi le plus grand des chirurgiens. Et je mets cette opération entre tes mains. S'il faut que je me fasse opérer, je ferai preuve d'obéissance, j'irai. Mais je sais que j'irai pour faire un nettoyage. Mais s'il faut, tu vois que ce n'est pas nécessaire et que cela va me bloquer pour m'empêcher de faire ton œuvre, que ta volonté soit faite et non la mienne. Mais mes chers bien-aimés, je peux vous dire, je ne suis pas encore tout à fait rétablie. Mais grâce soit rendue à Dieu, quand j'ai été voir le chirurgien, il m'a dit que ce n'est pas la peine que je me fasse opérer, les choses vont s'arranger. Oui, les choses vont s'arranger, mais tout ça, il faut être patient. D'accord? Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Bien, j'ai accepté. Il m'a dit, même l'infiltration, je ne ferai pas d'infiltration. Et à deux reprises, ils m'ont refusé l'infiltration. Moi, je dis que c'est Dieu qui fait. Dieu, parfois, permet que nous soyons dans des situations afin que nous puissions nous mettre devant notre vis-à-vis. Moi, je dis que cela m'est arrivé parce que j'étais très active, j'étais dans l'activisme pour que je puisse me mettre devant mon vis-à-vis et demander à Dieu véritablement ce qu'il veut que je fasse dans le ministère qu'il m'a donné. D'accord? Que je sors un peu de l'activisme. Dieu veut que je me repose là, parce qu'il faut qu'il y ait un temps de repos, cher bien-aimé. Je ne dirai pas que c'est de la sorcellerie. Je ne dirai pas que c'est le diable. Mais je dis que j'ai été quand même parfois désobéissante. Mais là, il fallait que je rentre dans le repos. Alléluia. Eh bien, il a permis que je m'assoie un moment, que je reste même couchée. Amen. Que je reste même couchée. Que je fasse mes séances de rééducation, de massage. Et je sais que je serai plus en forme. Et Dieu même, il me montrera, il a déjà commencé à me montrer ma voie, mais il me montrera la voie complètement. Et vraiment, il fera démarrer le ministère que je dois rentrer dedans véritablement. Alléluia. Pourquoi devrais-je m'affoler? Pourquoi devrais-je me mettre dans un coin à pleurer? Non, je dis gloire à Dieu, parce que pour moi, c'est une grande victoire sur l'ennemi, bien-aimé. C'est une très grande victoire sur l'ennemi. Quand nous déposons notre lettre de motivation, quand nous déposons notre demande à Dieu, quand nous envoyons un fax à Dieu, alléluia, quand nous déposons le courrier dans la boîte aux lettres, nous ne pouvons pas les reprendre. Mais nous sommes là pour attendre une réponse
et une bonne réponse. Là, je commence à marcher mieux, mais je sais que il y a le temps fixé pour Dieu où je recommencerai mes activités comme je le faisais et même mieux. Alléluia. Nous devons quelquefois apprendre à nous asseoir, ne pas trouver des boucs émissaires, mais savoir que nous sommes nos propres boucs émissaires, se mettre à part, réfléchir, se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Seigneur, montre-moi. Et effectivement, quand je me suis trouvée dans cet état, j'ai demandé au Seigneur de me montrer qu'est-ce qui s'est passé. Et moi, j'avais déjà même oublié le geste que j'ai fait. Et pendant mon sommeil, il m'a montré tout ce qui s'est passé, ce que j'ai fait. Je lui dis gloire à Dieu. Et je le bénis. Je le bénis de toutes les bénédictions. Amen. Parce qu'il m'a béni. Et en retour, je lui transmets des bénédictions. Et je dis à mon Dieu que je l'adore. Je l'adore de tout mon cœur. J'aime. Je l'adore. Oh Seigneur Jésus, je t'aime. Je t'adore, Papa, parce que ta main est sur moi. Ta main est posée sur moi. Et je te dis merci, Papa. Merci pour cet accident. Et merci, Seigneur, de prendre soin de moi. Parce que je suis dans tes bras d'amour. Je suis dans tes bras d'amour. Et je ne peux que te dire merci.